Alors, Isabelle Severino, qui vient de sortir un disque, qui s'est un petit peu dispersé cet an dernier et qui a terminé quatrième du concours général hier en tombant aux barres asymétriques. Brice El Toraya, Fort Carpé. Il est rattrapé en mi-souplesse. Hein. Terminé. Mais ça ne s'est pas vu. Voilà pour Isabelle. Oui. Son exercice au sol. Bon, on va pas la juger là-dessus, mais il est clair qu'elle n'a pas retrouvé sa ligne d'Atlanta. Oui, mais c'était pas mal quand même, un exercice assez bien enlevé. À Paris, si c'était un tout petit peu bas à la réception. Oui. Bon, pour Isabelle, qui a choisi cette année tout particulièrement de préparer son baccalauréat au mois de juin, et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle elle n'est pas, je dirais, le mieux affûté possible. Voilà. Hein, et bon, on va attendre, disons, la fin de l'été pour retrouver Isabelle Severino au niveau des championnats du monde, parce que... Elle a souhaité retarder sa préparation justement pour les championnats du monde et faire l'impasse sur les Jeux méditerranéens.